Monsieur Touré, c'est un garçon qui a eu 14 ans et qui a commencé à faire du cinéma et qui est devenu grand, qui est devenu papa et qui continue à faire du cinéma. Je l'ai fait par malheur parce que mon père est mort quand j'avais 14 ans et il fallait quand même travailler parce que j'étais l'aîné de la famille. Il fallait ramener un peu d'argent à la maison pour pouvoir manger. Et c'est ma mère qui m'a amené chez un cinéaste qui s'appelle Johnson Traoré et qui est décédé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du cinéma. Voilà un peu Monsieur Touré. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'esclaves enceintes. En un an, il n'y a eu que 2 naissances chez Pierre Dessart. La plupart des femmes préfèrent faire couler leur ventre plutôt que de donner naissance à un enfant esclave. Le pire, c'est Bonnefond, le neveu de Pierre Dessart. Il n'est pas dur, mais cruel. Chez lui, les femmes travaillent jusqu'à ce qu'elles perdent les os. Et recommencent le lendemain dès qu'elles ont accouché. Le premier film que j'ai fait s'intitule Baram. Baram, c'est au fait, c'est comment griller le poisson. Et ça, c'est un de mes premiers films, qui est un court-métrage que j'ai fait. Ça fait longtemps, j'étais tout jeune, hein, en 87. Et après, j'ai fait un autre film en 91, qui est Toubabi, quand même, qui m'a fait connaître, surtout au niveau de l'Europe. Et après, j'ai fait plein de documentaires. J'en ai fait à peu près 16 documentaires. C'est que je me rendais compte, en étant dans la fiction, que j'étais au fait documentariste. Donc j'ai fait 16 documentaires, et après ces documentaires, j'ai fait La Pirogue. Pour une première fois, tu te débrouilles très bien. Pour qu'il y ait une fesse, il y a tout. Vague, il y a des teubes, des dalles, des badagues, des algues, des hardes, de nous terrer à gauche, nous jouons. Je suis en train d'hésiter parce que j'avais fait un film sur le bateau de Diola. Je l'ai filmé pendant 14 ans. Je suis en train de voir est-ce que je vais monter ce film ou sinon un autre film que j'ai fait sur les malades mentaux qui s'intitule Tous les mercredis matin parce que pendant 12 ans, je suis allé dans un hôpital psychiatrique à Fan où j'étais au Pinch. Au Pinch, c'est un rassemblement c'est tous les mercredis que ça se passe et c'est les malades qui ont la parole. J'ai fait ce film-là, donc je suis en train d'hésiter. Est-ce que je vais remonter ces films? Ou sinon, il y a 2 films qui sont vraiment en chantier. Ça veut dire au niveau de la production, ça veut dire c'est un qui s'intitule Poussière rouge. C'est sur les Chinois dans un quartier populaire à Saint-Louis. Et un autre qui s'appelle Gladiateur. Ils sont vraiment parallèles parce que c'est 2 productions qui sont en train de se bagarrer pour arriver à qui va être le premier. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de faire des films qui sont sortis ici, au Sénégal, dans les salles. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de salles de cinéma. Alors, ce que je pense du cinéma africain, c'est un cinéma sans salle de cinéma. Et vous savez, un cinéma, avant même d'aller pour trouver des fonds pour un film, il faut avoir un distributeur. Et malheureusement, nous n'avons pas. Donc, nous sommes dans un cinéma sans distributeur, sans distribution. Donc, c'est quand même très ambigu, au fait. On fait des films qui ne sont pas vus, alors que les films sont faits pour être vus. Et même avec les médias, que ce soit les télévisions, ils ne le sortent pas. Donc, ce que je pense vraiment du cinéma, il y a de bons films, mais on ne peut pas les voir. Dans mes fictions, c'est Toubabi, mais dans mes documentaires, c'est Nous sommes nombreuses. C'est un film sur le viol que j'ai fait au Congo. Ça, c'est les 2 que je préfère. Mais aussi, mon cœur balance sur TGV. Tu sais, TGV, l'acteur principal vient de décéder, paix à son âme, Makena Diop. C'était mon acteur fétiche qui faisait tous mes films. Donc, il y a TGV qui est au fait le film le plus populaire. C'est le film qui répond le mieux aux spectateurs africains, vraiment. Vous savez, ce que je trouve actuellement en Afrique, il y a quand même une génération
qui se relève mais très bien dans le cinéma, surtout avec des courts-métrages. Moi, j'étais quand même dans quelques pays et puis je suis en contact avec la jeunesse africaine sur ce qu'ils font des films et je me suis rendu compte qu'il y a des pays qui émergent vraiment bien, où il y a des bonnes réflexions et je le dis haut et fort, par exemple le Bénin, je viens du Bénin, le Togo, mais c'est magnifique cette jeunesse-là. Bon, les Sénégalais, que je connais, ils sont bien, mais il faut faire attention de penser qu'on est les meilleurs. Moi, je vous disais tout à l'heure que je suis en contact avec la jeunesse africaine. Quand je suis allé au Bénin tout récemment, c'est un jeune qui m'a appelé. Il était dans un documentaire sur la transhumance. Et c'est des Togolais qui sont arrivés. Parce que dès lors que je vais dans un pays africain, les autres qui sont aux alentours, les jeunes, ils arrivent parce que je suis avec cette jeunesse-là. Alors, quand je fais un film, c'est les jeunes qui regardent. Mais je fais le bout à bout et ils regardent, c'est eux qui me critiquent. Alors ça, c'est la chose la plus drôle qui puisse exister. Et puis après, tu les entends, ils disent des choses sur mon travail. Et puis, ils voient mes films en premier. C'est eux qui voient mes films en premier. Mais il ne faut pas oublier une chose. Le cinéma, ce n'est pas une affaire de jeunes. C'est une affaire de vieux et de jeunes, et de vieux et de jeunes et de vieux. Moi, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, je suis un papa, même un grand-père. Et je suis en train de faire du cinéma. J'étais avec Semben, il était papa et grand-père. Il continuait à faire du cinéma. C'est ce qu'il faudrait que les gens comprennent. Parce qu'à un certain moment, comme qu'il y a eu la jeunesse juste qu'il a, parce qu'elle prend de l'ampleur au fait dans notre Afrique, on a pensé que le cinéma est le jeune. Mais regardez, au fait, au niveau de Cannes, par exemple, cette année, il y a tous les gens, Moretti, Nani Moretti, tous des vieux et des jeunes qui sont là encore. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble. Je pense qu'une bagarre qu'il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils oublient un tout petit peu la production et qu'ils se bagarrent pour qu'il y ait des salles. Même si c'est des salles en plein air. Parce qu'on n'a pas besoin dans nos pays là d'avoir des salles bien climatisées ou dehors, tu sors et tu meurs. Et puis aujourd'hui, avec la technologie, on a les moyens de pouvoir voir un film en plein air. Je pense qu'il faudrait qu'ils réfléchissent à ça. Ça, c'est mon mot de fin.